trois semaines un petit peu plus du premier tour. Nouvel entretien de campagne. J'accueille ce soir Julien Morgante sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat à la députation dans la première circonscription de Haute-Corse avec votre suppléante Sant'Albertini Pietrucci. C'était déjà le cas en 2017. Alors âgé de 31 ans, vous y aviez réuni au premier tour 8290 suffrages et 8,4% des voix. Cette fois-ci, pour tenter de faire mieux, vous avez un petit peu changé de stratégie en commençant par ne pas demander d'investiture, en l'occurrence celle de La République En Marche devenue Renaissance. C'était une étiquette trop lourde à porter ici en Corse? Non, il y a une recomposition politique aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc on a voulu construire une démarche de rassemblement. Dès cet été, on a travaillé sur le projet. Donc c'est pour ça qu'avec mon binôme, avec Sant'Albertini Pietrucci, on a des gens de sensibilité de gauche, de droite, des nationalistes, déçus de la majorité sortante, ce qui fait la force de notre démarche de rassemblement et de changement. Jean-François Paoli du Parti Radical, autre candidat sur cette circonscription, se présente lui avec en revanche l'étiquette Ensemble de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui vous différencie, vous et lui, finalement, à part cette investiture? Vous êtes tous les deux du centre-gauche, divers centres officiellement pour la préfecture. Il est l'unique candidat d'Emmanuel Macron. Je considère que dans cette élection, les étiquettes sont un véritable boulet. Donc nous, on a fait le choix du rassemblement dès le premier tour, et ça sera à lui de porter et de se justifier sur Finalement, vous êtes tous les deux diversantes. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? Moi, j'ai fait le choix dès le premier tour de rassembler des gens de droite, des nationalistes. C'est ça qui nous différencie aujourd'hui très clairement. Mais l'adversaire reste le député sortant. Donc centre-gauche, nationaliste, droite aussi peut-être, puisqu'il n'y aura pas de candidat sauf retournement de situation sur cette circonscription. C'est un électorat que vous allez essayer de draguer, entre guillemets. On a déjà travaillé dès le premier tour avec cette sensibilité politique. Ils étaient d'ailleurs présents en nombre lors de l'inauguration de la permanence. Donc effectivement, c'est important de rassembler parce qu'aujourd'hui, la situation politique en Corse est tendue et on a besoin de rassemblement. On a besoin que le député que je souhaite être parle d'une même voix pour les négociations qui vont arriver. Quelles sont les municipalités qui vont vous soutenir, par exemple, à droite? Saint-Florent, Borgo. Au-delà de lister des noms, l'intérêt, c'est la démarche, de travailler sur le projet et surtout de mobiliser un électorat qui s'était détourné des élections. C'est ça, encore une fois, la force de notre démarche. Vous aviez annoncé votre candidature au lendemain de la présidentielle sur ce même plateau. Vous nous disiez alors, je cite, vouloir proposer du centre-gauche, donc jusqu'aux nationalistes qui sont dans l'opposition à l'Assemblée, cette alternance que nous appelons de nos voeux. Ça veut dire que vous êtes prêt, que vous seriez prêt, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, à travailler avec d'autres députés nationalistes, voire à siéger dans leur groupe? La recomposition politique depuis 2017 fait que dans cette future législature, on va être dans des logiques de coalition. Donc nous constituerons un groupe avec d'autres, notamment sur une logique de cas par cas. On siégera dans un groupe avec une liberté de parole, d'action et de vote. C'est ça qui est très important. On ne va pas se lier à une majorité ou à une opposition sans avoir le contenu du projet. – Vous pourriez potentiellement siéger avec… – Après, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, comme a fait le député sortant avec, par exemple, le député de Courson. Ça, c'est des marqueurs politiques qu'on ne franchira pas. – On y vient justement, si vous vous présentez sur cette circonscription, que vous draguez aussi un petit peu l'électorat nationaliste, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas forcément satisfait du bilan de Michel Castellani. Pourtant, il y a eu quelques avancées qu'ils ont réussi à obtenir, la loi sur le 5 mai, par exemple, ou encore la loi sur la spéculation foncière qui comprend un super droit de préemption de la CDC, adopté en première lecture. C'est des avancées, ça, quand même, en 5 ans. Le député sortant a été dans une mandature et dans un bilan de routine. Il est devenu le député parisien et aujourd'hui, il ne représente plus qu'un homme, plus qu'un camp. Et c'est là où il y a une vraie différence avec 2017. D'ailleurs, son camp est divisé. Donc, il y a vraiment intérêt à rassembler, encore une fois, dès le premier tour. Et dans la stratégie de second tour, on s'adressera à l'ensemble des candidats pour porter justement ce message. Donc, Michel Castellani est quelque part disqualifié, même pour évoquer l'avenir de la Corse. – C'est plutôt ce qu'il représente qui ne vous satisfait pas, plutôt que son bilan, donc. C'est à la fois le bilan qu'il ne présente pas, le programme qui n'est toujours pas connu. En tous les cas, nous, on a fait cette démarche-là il y a plus déjà de 15 jours. Donc c'est le positionnement, c'est le bilan et c'est le projet du candidat sortant qu'on combat. – Votre programme, vous, en ce qui vous concerne, même si vous aurez l'occasion de le dessiner plus précisément la semaine prochaine à l'occasion de notre débat, on note l'inscription, par exemple, d'un référendum sur l'autonomie avec nouvelles élections territoriales à la clé, c'est ça ? Effectivement, sur la question de l'autonomie, on a voulu proposer notre stratégie, c'est-à-dire plus d'autonomie dans le bloc communal, à la fois les communes et les intercommunalités, pour être un contre-pouvoir à la collectivité unique, aujourd'hui qui est un véritable désastre pour la Haute-Corse, et notamment le centralisme ajaccien qui fait autant de dégâts que le centralisme parisien. À l'issue de ces discussions et de ce statut, on proposera un référendum, et donc en cascade, des nouvelles élections territoriales. On continue un petit peu sur votre programme. La deuxième chose qu'on note parmi vos chevaux de bataille, on note la création d'un nouvel hôpital de Bastia avec la création d'un service à prévalence universitaire. C'est différent d'un CHU.
Alors la finalité de la stratégie, effectivement, c'est le CHU. Voilà un point sur lequel le député sortant n'a rien fait, à part poser des questions. Donc nous, on propose, en attendant, en mesure d'urgence, déjà d'avoir des services labellisés services universitaires, notamment avec les universités de Nice et Marseille, avant que Corté soit habilité. Et donc à long terme, l'objectif, c'est le CHU. À long terme, effectivement, le CHU. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Morganti, d'avoir été notre invité dans ce Intentoing campagne. Tout de suite, l'information continue avec le Corsi Gazer de Marianne Romagne.